L'illustration, No. 3658, 5 avril 1913 astérisque astérisque astérisque. L'illustration, numéro 3658, 5 avril 1913, agrandissement, ce numéro contient, à la petite illustration, série théâtre numéro 3, Les Flambeaux, de Monsieur Henri Bataille, de un supplément économique et financier de 2 pages. Monsieur Aignon. Monsieur Bartou. Monsieur Poincaré. Le premier voyage présidentiel de Monsieur Raymond Poincaré, le président de la République, le président du Conseil, le nouveau préfet de police et les Pitchounettes de Montpellier. Voir l'article et les autres photographies, page 309. Notre nouveau supplément économique et financier, un nouveau supplément s'ajoute encore, à partir d'aujourd'hui, à nos pages déjà si variées et si nombreuses. L'objet est le programme de l'illustration économique et financière, qui sera désormais encarté dans tous nos numéros, sont définis en tête de la première feuille offerte sous ce titre à nos lecteurs. L'adjonction à notre journal, universel, de cette rubrique, si utile quand la documentation en est sûre et quand les appréciations y sont à la fois sincères, prudentes et judicieuses, nous avait été réclamée souvent. Mais nous ne voulions pas, pour lui faire une place, qui aurait été parfois insuffisante, restreindre, si peu que ce fût, celle de la documentation illustrée d'actualité ou d'art. Nous sommes heureux que le succès croissant de l'illustration, qui vient de se manifester encore par une nouvelle et importante hausse de notre tirage coïncidant avec l'augmentation de notre prix d'abonnement, nous permette de donner 2 pages de plus 4 quand ce sera nécessaire dans chacun de nos numéros. Théâtre et roman. La petite illustration publiera, les entre 12 et 26 avril, les 4e et 5e parties du roman de Monsieur Marcel Prévost, Les Anges Gardiens. Le 19 avril paraîtra L'Embuscade, de Monsieur Henri Kistemaecker, représenté à la Comédie Française. Le 3 mai, Les Éclaireuses, de Monsieur Maurice Donnet, Comédie Marigny. Puis, successivement, Hélène Ardouin, de Monsieur Alfred Capu, L'Habit Vert, de Messieurs Robert de Flers et G.A. de Caillavet, Servir et la Chienne du Roi, de Monsieur Henri Lavédan. À la fin du mois de mai, nous commencerons la publication du grand roman que Monsieur Paul Bourget achève actuellement, Le Démon de Midi. Enfin, parmi les autres œuvres théâtrales que la petite illustration publiera avant la fin de cette saison, nous pouvons citer dès maintenant Le Secret, de Monsieur Henri Bernstein. Courrier de Paris. Le problème du portrait sous ce titre, Monsieur Jacques-Émile Blanche publiait l'autre jour dans Le Gaulois un de ses articles mordants, judicieux et fins, qui n'ont jamais que 2 défauts, d'être trop rare et trop court. Mettant sur la sellette les gens du monde, il leur faisait sans barguigner le reproche de se lancer dans l'aventure du portrait avec une inconscience aussi coupable que folle, en n'ayant qu'une idée et qu'un but, être beau, laisser de soi, après soi, une image avantageuse et fascinatrice. À l'entendre, la plupart des femmes, et chose inouïe la grande majorité des hommes, que l'on aurait pu supposer à l'abri d'un pareil ridicule, ne sont travaillés, dès qu'ils songent à la reproduction de leur admirable image, que de cet unique souci de vanité coquette. Fermé à l'art, étranger à ses exigences et aux nobles sacrifices de renoncement personnel qu'il impose, les personnes qui se font peindre ne pensent qu'à elles et n'y pensent qu'à cet étroit point de vue de tricherie en face de la vérité.
Elles n'ont pas beaucoup de goût et peu de jugement, ne se connaissent jamais elles-mêmes, ne soupçonnent rien, non seulement de leur physique et du véritable caractère qui s'en dégage, mais de leur nature morale qu'il s'agit bien pourtant aussi d'exprimer sur la toile et à propos de laquelle, plus encore que de leurs traits extérieurs, elles battent complètement la breloque. Les brunes voulant être représentées blondes, les gaies cherchant du coup de la pose triste, les pensives réclamant une attitude d'animation, et les tumultueuses préoccupées, dans une chute soudaine, de donner l'aspect, depuis longtemps convoité, de la mélancolie. Enfin, Monsieur Blanche, côté peintre, faisait passer au modèle mondain, pendant deux colonnes de journal, le plus délicieux et mauvais quart d'heure qu'il soit possible de traverser. Tant et si bien qu'après avoir, sans restriction, partagé sa façon de voir et de Burdineux à ce sujet, il m'est venu des scrupules, tournant presque au remords, et, dans une lueur, je me suis avisé tout à coup que peut-être en se plaçant de l'autre côté, dans le camp des hommes insensés et des femmes frivoles, dans la foule de cette humanité ordinaire, bourgeoise et mondaine, qui a la faiblesse de vouloir se faire peindre et l'orgueil de s'adresser, dans ce but, aux maîtres célèbres, je me suis imaginez que l'optique en ce cas pourrait bien changer et qu'il y aurait aimablement beaucoup d'excellentes petites choses à dire dont il ne serait pas défendu à quelques princes du pinceau de tirer profit. Et d'abord, parlant du goût, je ne craindrais pas d'affirmer que, sauf exception, les gens du monde, qu'il s'agisse des nobles aussi bien que des bourgeois, ne sont pas moins doués de cette qualité que les artistes. Et ils sont tout à fait autorisés à leur fournir, sur l'arrangement d'un portrait, la pose à prendre, le costume à choisir et mille autres questions qui, sans être en dehors de la technique et de la facture, n'en ont pas moins une grande importance, des indications et des conseils très précieux. Le peintre est, le plus souvent, un spécialiste que l'exécution matérielle de son tableau suffit seule à occuper, à remplir, à absorber, un passionné de son art et de son métier, pour qui peindre est tout. Et certes, qu'il a raison. Cela est magnifique. Et on ne va pas penser que je le blâme. Je le salue et je l'admire. Cependant, n'est-il pas, tout de même, un peu trop enfoncé parfois dans son intransigeance bourrue? Voyez, comme il est quelquefois touchant et limité dans sa façon de concevoir et de mettre en scène le modèle qu'il a sous la main. Il ne pêche généralement pas par excès d'imagination. Il s'étonne des exigences, des entêtements du modèle qui prétend se connaître et ne se connaît pas. Mais que dira-t-on aussi, en bonne justice, de lui, du peintre et de ses idées préconçues, de son inconsciente tyrannie? N'a-t-il pas souvent, à côté et au-dessous de sa manière, sa manie? N'a-t-il pas sa pose préférée qu'il tient bien et qu'il vous inflige? N'a-t-il pas un ton qu'il affectionne? N'a-t-il pas son heure, son éclairage, son expression, sa nuance de regard favorite par où il faut passer coûte que coûte? Ne voit-il pas les gens comme il veut les voir ou comme il en a l'habitude? N'a-t-il pas ses clichés? Ne lui arrive-t-il pas, même avec un superbe talent, de transformer complètement son modèle, de le dénaturer, de le désocialiser, d'en faire tout autre chose et l'opposé radical de ce qu'il est? Ne se montre-t-il pas alors, je vous le demande, aussi aveugle, aussi incompréhensible et coupable, plus même, que le brave homme qui s'illusionne sur son compte en demandant une attitude un peu au-dessus de son niveau, ou que la dame souhaitant une joue de quelques années plus fraîche et plus lisse? Combien sont-ils les peintres qui, devant le modèle, s'appliquent aussitôt à s'oublier, à s'humilier,
pour entrer tête basse dans le personnage nouveau et inconnu dont ils ont assumé l'entreprise. Combien sont-ils cherchants à pénétrer à fond cet étranger qu'ils visitent pour la première fois, décidés, quoi qu'il leur en coûte, à sacrifier leurs préférences, à modifier leur palette selon l'homme, la femme, l'enfant, le vieillard dont le sort pictural est entre leurs mains. Certes, nous en connaissons, et beaucoup, parmi lesquels est au premier rang Monsieur Blanche. Mais trop souvent encore le peintre, et j'entends le bon peintre, de conscience moyenne, et qui sait son affaire, ne s'embarrasse pas de tant d'histoires. Devant le monsieur ou la dame à enlever, il ne se ronge pas de désespoir et de curiosité. Il s'observe d'abord lui-même, il se demande quel est le parti le plus avantageux qu'il peut tirer de l'individu. Le modèle veut à tout prix, dit-on, être beau et plaire point. Et le peintre? N'a-t-il pas souvent, lui aussi, pour unique souci d'être magnifique, de séduire et d'empaumer? De briller à l'occasion, et fût-ce aux dépens de celui qui n'est à ses yeux qu'un prétexte à prouver une fois de plus son talent, sa virtuosité, et à perpétuer sa gloire. Quand il fait le portrait des autres, c'est toujours un peu le sien que le peintre exécute en pensée, le portrait de sa propre personnalité. Car il sait qu'avant de dire « voilà monsieur un tel » ou « n'est-ce pas madame X », on s'écriera à 20 mètres « ah, voilà un Casimir, un Victor, un Philippe ». Et ce n'est qu'ensuite, quelques longues minutes plus tard, que l'on aura l'idée de se demander ce qu'il représente. Le nom du portraituré n'est qu'un sous-titre. Et la question de ressemblance, qui fait couler tant d'encre et de couleur. S'autorisant du peu d'envergure artistique de certains dignes messieurs, et de bonnes dames dont l'idée fixe est d'être criant, sur la toile, au point que leur petit chien lui-même, en les regardant, gémisse de joie et remue la queue, voilà qu'on en arrive tout doucement et sans douleur à proscrire d'un portrait la ressemblance. Elle est l'ennemie de l'art. Espérer timidement la ressemblance, c'est avoir l'âme d'un photographe et témoigner d'une platitude écœurante. On vous rit au nez et vous perdez toute considération. Jamais on n'aurait cru cela de vous. La phrase, qui a l'air d'un mot de comédie moliéresque, « un portrait n'a pas besoin d'être ressemblant », est devenue banale et à présent fait loi. Il suffit, tranche beaucoup de gens, qualifiés, que le peintre fasse, avec vous, un joli morceau pour que vous n'ayez rien à dire. Et si, près de la toile en face de laquelle vous êtes nez à nez, l'on s'extasie, c'est rudement bien, pour vous demander ensuite par acquis de conscience, qui est-ce, parce qu'on ne vous a pas reconnu, vous devez vous déclarer enchanté, et c'est en vous excusant que vous répondrez, c'est moi. Mon Dieu, oui, rougissant comme si, en vous nommant, vous faisiez honte au peintre et que vous lui en demandiez pardon. Monsieur André de Fouquière à New York, promenade au Central Park. Moins faute. Alexandre Teneau. Non, le modèle ne veut pas être beau, à tout prix, et contre toute justice. Il se connaît plus qu'on ne le croit, et presque toujours il se plaît, même avec un physique ingrat, et tel que Dieu et ses parents l'ont fait. Il ne serait pas embarrassé de citer maint visage ravissant, supérieur au sien, mais pourtant, si vous le mettiez au pied du mur, il ne changerait pas, car, ne craignons pas de le répéter, il s'aime tel qu'il est. Et par là, entendez tel qu'il est à son maximum d'agrément et dans ses meilleurs jours.
Il y a, en effet, nous l'avons tous éprouvé mille fois avec une ivresse enfantine, des circonstances, des heures, des minutes où nous avons le sentiment pur et certain d'être, par un réflexe moral, en presque parfaite beauté physique, à ce point relatif de réussite générale qu'il nous est permis ça et là d'atteindre. Quand nous nous regardons, à ces instants privilégiés, nous ne nous trouvons pas beaux, mais mieux. Nous nous sentons en béatitude vitale, en état de quasi-bonheur, de reconnaissance et de bénédiction. Nous aimons, nous nous croyons aimés, nous nous voyons aimables. Ne serait-ce pas à un de ces passages-là que le peintre inspiré devrait nous saisir plutôt que de s'appliquer, comme il semble en avoir si souvent l'obstination maladive, à nous représenter en dépression, en laideur, en vulgarité quotidienne. Cette façon de comprendre ne l'empêcherait pas, me semble-t-il, de produire un chef-d'œuvre, et voilà la vraie ressemblance, la seule qu'ait le droit et un peu aussi le devoir d'exiger de lui le modèle, sa ressemblance avec l'homme heureux, dégagé, élevé, éclairé, rayonnant, supérieur à lui-même et à son ordinaire qu'il a le noble désir d'être toujours et qu'il a la grâce de devenir quelquefois. Que l'artiste profite de ces éclaircies humaines d'idéal. Et même alors, s'il rate la ressemblance, il la donnera. Il fera un portrait de nous-mêmes qui ne sera pas uniquement celui de notre nez, la géologie de notre peau, de nos trois plis, la miniature de notre verrue et l'apothéose de nos ongles. Henri Lavedan. Reproduction et traduction réservée. La société américaine d'aujourd'hui et celle de demain, Monsieur André de Fouquier, auquel sa réputation de Parisien averti a réservé aux États-Unis le plus flatteur, le plus chaleureux accueil, vient de revenir en France. Après avoir parlé aux Américains de notre pays, et avant de nous conter, en une série de conférences au Théâtre Marigny, ses impressions d'outre-Atlantique, il en donne aujourd'hui la primeur à l'illustration, attentif à tous les spectacles de la vie yankee, M. André de Fouquier a vu se dessiner, pendant son séjour à New York, une curieuse évolution dans les mœurs, dont il définit ici le caractère. À mon départ, plusieurs journaux m'ont décerné le titre d'ambassadeur des modes. Peut-être certains ne le faisaient-ils point sans quelque ironie, et je fus tout d'abord surpris de constater, dès mon arrivée, que les Américains prenaient ce titre au sérieux. Mais, depuis, j'ai compris qu'un tel rôle, en apparence puéril, valait d'être joué. La mode est la seule industrie française qui soit prépondérante aux États-Unis. Et quelle source de fortune ne représente-t-elle pas? Nulle part, il n'est possible de voir une telle folie de luxe, une telle émulation dans la lutte pour l'élégance, un tel respect des fantaisies de la mode. Jamais une Américaine ne transforme au goût du jour une robe de l'autre saison, elle n'admet et ne porte que le neuf. Elle observe avec minutie les moindres transformations inventées par nos couturiers, et l'originalité les effraie si peu que c'est à New York que les « maîtres » de la rue de la Paix adressent leurs plus audacieuses créations. Des sommes formidables sont réservées chaque année à la toilette féminine et nombreuses sont les maisons françaises qui doivent aux fastiants qui beaucoup de leur prospérité. Eh bien, tout cela menace de changer et nous avons à craindre non seulement la concurrence étrangère, mais encore un nouvel état d'esprit. Parlons d'abord de la concurrence, elle est acharnée et terrible. Elle vient surtout de l'Allemagne, qui compte aux États-Unis 400 000 représentants pour 30 000 Français. Les Allemands étant sur place prennent aisément position. À vrai dire, les modes inventées à Berlin ou à Munich ne sont pas acceptées par l'aristocratie new-yorkaise, les fameux
400, dont le cercle est étroitement fermé, et les nouveaux millionnaires, les puissants industriels qui forment une société neuve à côté de cette élite, ont trop le souci d'imiter les arbitres du « Smart Set » pour s'adresser à d'autres couturiers que les nôtres. Mais la petite bourgeoisie commence à se laisser persuader par les catalogues alléchants, les journaux de mode qui annoncent les nouveautés parisiennes et sont édités par des maisons germaniques. La vente de nos soies diminue. Nos modistes ont moins de commandes. Elles, articles de Paris, se fabriquent meilleurs comptes à Boston ou à Baltimore. Et, malheureusement, les couturiers français semblent faire peu d'efforts pour maintenir le prestige utile de notre élégance chez un peuple admirateur de toutes les traditions et qui estime en nous ce culte du bon ton et des belles manières, symbole, à ses yeux, du plus glorieux passé. Je suis arrivée en Amérique au moment même où la plus curieuse évolution risque de se produire. Évolution n'est pas le terme exact, car c'est en quelque sorte un retour vers les mœurs anciennes. Deux faits d'inégale importance sont les prodromes de ce que je nommais le « nouvel état d'esprit », la manifestation quasi officielle des suffragettes, l'arrivée au pouvoir du président Wilson. Les suffragettes. Elles m'ont semblé, en vérité, bien différentes de celles qui font entendre à Londres leur voix si turbulence. Elles ont organisé le 3 mars 1913, à Washington, la veille de l'entrée du président à White House, la plus singulière et la plus déroutante des processions. Un magnifique programme illustré, répandu à profusion, publiait, en même temps que les revendications féminines, les photographies des plus notoires suffragettes, et il y en a de charmantes. Il annonçait aussi l'ordre dans lequel devait se dérouler la parade. Et tout était combiné à merveille, avec cet esprit d'ordre et de méthode qui caractérise la race. Venait d'abord, à la suite de M.R.S. Richard Koch Burleson, la grande maréchale, les officiers de la National American Women Suffrage Association, ayant à leur tête la présidente, la révérende Anna Howard Shaw, qui possède les plus hauts grades universitaires. Ensuite défilaient les nations où la femme a obtenu le droit de vote, celles où elles sont bien près de l'avoir et enfin celles où elles ne l'ont pas encore. Après quoi, c'était la grande cavalcade reconstituant l'historique de la cause féministe et représentant les diverses carrières dans lesquelles les femmes se sont distinguées, depuis les infirmières militaires jusqu'aux nourrices, depuis les doctoresses jusqu'aux avocates, depuis les écrivains et les professeurs jusqu'aux musiciennes et aux actrices. L'actrice se nommait Miss Fole la Follette et possédait le plus délicieux visage. Et je vis, ce beau jour de printemps, le plus surprenant carrousel et la plus étrange mascarade. La brigade montée des suffragettes, à Washington. Moins copyright Underwood and Underwood. Il y avait des chars et des automobiles, de somptueux costumes, des étendards multicolores. Et que dira de la « brigade montée », dirigée par Miss Geneviève Wimsett, un adorable cow-boy. Les femmes américaines montent à cheval comme les hommes et sont d'intrépides cavalières. Les banderoles claquaient au vent pour étaler la phrase fatidique « Vote for women ». La présence de Madame Taft dans une tribune d'honneur donnait à cette manifestation une apparence officielle. Mais la plupart des spectatrices me parurent plus amusées que passionnées par l'allure martiale des 6000 suffragettes. Monsieur Wilson entendra-t-il les appels des acharnées lutteuses qui escomptent un changement de régime pour renverser « the present political organization of society, from which women are excluded »?
Le New York Times m'ayant demandé mes impressions, je répondis que nous avions en France des idées différentes sur le rôle social des femmes, que leur faiblesse même faisait leur charme et que les Françaises craindraient trop de perdre certaines prérogatives en obtenant des droits. Bref, j'accumulais les habituels raisonnements, non sans laisser voir que je trouvais immoral d'imaginer qu'un homme pouvait par quel moyen, moins supplier une femme de lui donner sa voix. Aussi bien, au cours de la procession, les suffragettes avaient eu besoin du concours des policemen, et les suffragettes ne remplaceront jamais les policemen. Je donnai d'autres motifs d'ordre sentimental, et je fus hué par quelques aimables féministes. Tout de même, il y a quelque chose de très sérieux dans ce mouvement. Si certaines suffragettes ne voient dans les manifestations publiques qu'un prétexte à costumes originaux et à plaisantes cavalcades, il en est d'autres qui travaillent avec une âpre volonté pour le triomphe de leurs idées. Beaucoup, comme Mrs. Belmont, la mère de la duchesse de Marlborough, appartiennent à l'aristocratie. Et rien n'est plus tenace qu'une Américaine pour qui la moindre occupation n'est qu'un moyen de prouver son indépendance. Enfin, 9 États sur 39 ont accordé aux femmes le droit de vote. C'est un résultat. Astérisque, 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 le 4 mars, j'assistais à la parade en l'honneur de M. Wilson. La voiture qui contenait les deux présidents passa au milieu d'une foule énorme et enthousiaste. Le caractère yankee est si prompt, si peu inquiet, que l'assistance sembla fort peu se préoccuper de dissentiments politiques. Pour elle, le président d'hier et le président de demain si différents représentaient la nation et elle s'associa cordialement au geste de M. Wilson lorsqu'il salua avec noblesse le drapeau des États-Unis. 1. Note 1, mais le public se contenta d'applaudir, car en Amérique on ne se découvre pas devant le drapeau. Le défilé des troupes eut lieu dans un ordre parfait et j'admirai surtout les West Point cadets dont l'allure est à la fois élégante et martiale. J'ai remarqué que les régiments des États du Sud sont d'une tenue supérieure à ceux du Centre. Cela, m'a-t-on dit, parce que les New Yorkais sont trop préoccupés par le souci des affaires pour être uniquement des soldats. L'explication m'a paru typique. Et j'ai goûté d'autant mieux les pittoresques costumes du Virginia Military Institute, des Richmond Blues et du 5e Régiment de Maryland qui rappellent les uniformes brodés et soutachés du 1er Empire. Mais ce que je ne saurais oublier, c'est la bizarre chevauchée des gouverneurs des États, tous en redingotes et coiffés de chapeaux hauts de forme, maintenant leurs coursiers bien en ligne, observant avec une gravité imperturbable l'allure militaire. Derrière eux, dans le même ordre merveilleux, d'autres cavaliers, les dignitaires civils en redingotes et en chapeaux hauts de forme, imitaient la démarche sévère de leur chef de troupe. Monsieur Wilson et Monsieur Taft. Dès que cette somptueuse parade eut pris fin, j'observai dans les tribunes où se trouvait réunie la belle société de Washington un changement subit d'attitude. On parla politique et j'entendis les doléances des républicains qui venaient d'assister au triomphe des démocrates. C'est que l'avènement de M. Wilson a une signification particulière. Et cette fois la belle confiance des Américains a lieu d'être troublée. C'est en approchant les deux présidents que j'ai compris la tristesse soudaine et l'incertitude du monde des affaires. Monsieur Taft m'avait fait l'honneur, 2 jours avant son départ de White House, de m'accorder une audience privée. Notre ambassadeur, l'aimable Monsieur Jusserand, qui est à Washington le doyen du corps diplomatique, et M. Chandler Hall, secrétaire d'État, avaient été mes gracieux introducteurs.
Monsieur Teft m'accueillit avec une bonhomie cordiale et me parla de Paris et de la France. Il m'entretint avec admiration de l'œuvre de la croix à bouge dont il avait reçu des délégués quelque temps auparavant. Il me dit enfin que nous devions être heureux d'avoir désormais à la tête de notre pays un homme aussi éminent que Monsieur Raymond Poincaré, dont la réputation aux États-Unis est immense. Ce prestige de Monsieur Poincaré, je l'avais constaté déjà dans la société new-yorkaise où on le qualifie de « strongman ». Puis Monsieur Teft me questionna sur mes impressions d'Amérique. Après que je lui eus affirmé mon estime pour l'énergie et la puissance d'une nation où tout désir ambitieux se transforme en énergie utile, j'ajoutai que j'avais été frappé par l'antithèse des caractères si pondérés, si acharnés, si précis, lorsqu'il s'agissait du labeur quotidien, du « business », impérieux et dominateur, et si jeune pourtant, si gai, si épris du luxe et du jeu. J'avouai que je trouvais un grand charme à ce côté un peu français. Moi ainsi, dis-je, je suis toujours surpris lorsque je vois des hommes graves, des magistrats, des professeurs, des industriels célèbres, se livrer à une danse endiablée, à ce, pas du dindon, le turkey trot qui fait fureur en Amérique. Sous la présidence de M. Wilson, on ne dansera pas le pas du dindon, à White House. Monsieur Wilson parle peu. On ne sait pas ce que pense Monsieur Wilson. Et le monde des affaires qui apprécie la discrétion, accueillerait fort bien Monsieur Wilson, s'il n'avait par ses premiers actes ébauché tout un programme qui l'effraie un peu. Avec le président de demain, le ferment puritain est revenu à la surface des âmes américaines. Tout un parti s'exalte à la pensée de voir les mœurs sévères et rigoureuses d'autrefois renverser les idées actuelles. Car ce puritanisme marque un retour vers l'esprit des premiers conquérants du Nouveau Monde. Le peuple, surtout, est satisfait, il pressent sa revanche contre les brasseurs de millions. Et certains industriels, pour la première fois, ne quitteront pas New York au printemps, tellement les décisions présidentielles sont faites pour leur permettre toute crainte. Songez donc. Monsieur Wilson a refusé le bal traditionnel qui eut toujours lieu le soir de l'installation à White House. En outre, il proscrit le vin de sa table, il déclare qu'il ne veut plus d'avant-scène d'honneur au théâtre et que lorsqu'il va voir une pièce, il entend que l'on supprime les tentures qui pourraient distinguer sa loge des autres. Il prie les orchestres de ne jamais jouer l'hymne américain lorsqu'il paraît, il désire n'être qu'un simple citoyen parmi le peuple. Et le peuple est ravi. Mais c'est au tour des élégantes américaines d'écouter M.R.S. Wilson avec stupeur. M.R.S. Wilson blâme les femmes qui dépensent beaucoup d'argent pour leur toilette. Un budget minime doit suffire. M.R.S. Wilson et ses filles se contentent de consacrer 35 francs à un corsage et 200 francs à une robe. Tout budget féminin qui excède 5000 francs est exagéré. Et les femmes des secrétaires d'État font chorus. Le gouvernement est économe, austère et pratique. Tout est changé. Les ambassadeurs n'auront plus à envisager les difficultés d'un séjour à New York. Le faste devient une manière d'inconduite. L'excentricité est bannie des mœurs. Nous ne verrons plus partir de Paris ces scintillantes bottines mordorées et les gants mauve ou rose causés, portés les jeunes miss émancipées. On assure que la misère sera moins grande le jour où les trusters cesseront d'être prodigues. Le monde des affaires s'en amuserait s'il n'était inquiet.
Mais voici que M. Wilson renonce au yacht qui faisait la joie de ses prédécesseurs. Et l'on sait faire. Les honneurs que M. Wilson repousse ne s'adressaient pas à sa personne, mais au chef d'une nation. L'Amérique puritaine ne sera plus la patrie des fêtes ruineuses ni des folles élégances. André de Fouquier. Les petites ouailles blanches de l'abbé populaire Midinette sortant de l'église Saint-Roch après le sermon de midi, la révoltée, la résignée, la bavarde, la frivole, la rêveuse. C'est une charmante et bienfaisante idée qu'a eue un vicaire de la paroisse Saint-Roch, l'abbé populaire, de convier en son église, pour une neuvaine spéciale, employée à de courts sermons familiers, les ouvrières du quartier de l'Opéra. À midi, l'atelier a entrouvert ses portes et a laissé s'échapper toutes ces petites laborieuses qui emplissent la rue d'un joyeux tumulte. Mais la libre flânerie est parfois mauvaise conseillère, et les gens d'expérience assurent qu'elle ne conduit ni à la sagesse ni au bonheur. Les quelques 20 minutes qu'elle lui consacrait, le prédicateur de Saint-Roch les a réclamées, pendant 9 jours, pour ses conférences. 20 minutes, ce n'est guère. Mais il n'en faut point davantage pour faire méditer ces jeunes âmes, si frivoles en apparence, et si accessibles pourtant à la claire raison, et qui retrouvent avec tant de facile simplicité la foi de l'enfance. La neuvaine des Midinettes a commencé la semaine dernière. Dans la salle des catéchismes qui leur avait été réservée, elle se pressait, un peu émue sans doute, offrant par avance aux admonestations leur tête brune et blonde. Pour ses débuts, le prêtre les mit en garde contre les dangers de l'imagination, qui est, affirma-t-il, funeste aux jeunes filles. Après avoir ainsi gourmande, très paternellement, les rêveuses, l'abbé populaire parla tour à tour, dans les conférences qui suivirent, des frivoles, des bavardes, des résignées, des révoltées et des déchues. Et chacune reçut la petite leçon qu'elle méritait. Les voici toutes, au sortir de l'église, celles à qui l'excellent prédicateur vient de dire leur vérité. Elles emportent avec elles la bonne parole, qui sans doute les rendra meilleures. Et, quand elles auront regagné l'atelier, les heures de travail leur paraîtront plus légères. La consécration de la victoire grecque. Moins à Genine, le diadoqué, qui allait être, le lendemain, le nouveau roi, assiste, avec les princes à la doxologie, célébré par les Turcs de la ville en l'honneur de l'armée victorieuse. Moins faute prise par M. Jean Leune, pendant le discours du mufti. Le général Essad Pacha. Croquis de M. Jean Leune, à bord au Pilaro, le 22 mars. Le consul de France à Genine, M. E. Dussap, et sa femme, l'écrivain bien connu Guy Chantepleur. Le colonel Vehib Bey. Croquis de M. Jean Leune, à bord du Pilaro le 22 mars. À Janina pour compléter notre intéressante documentation sur la prise de Genine, nous ajoutons aujourd'hui aux notes et aux photographies de M. Jean Leune, publiées dans notre dernier numéro, cette page illustrée sur les lendemains de la victoire grecque. Ce sont encore, avec 2 croquis rapides, par M. Jean Leune, des défenseurs de Genine, le général Essad Pacha et le colonel Vehib Bey, des photographies envoyées par notre intrépide correspondant à l'armée des pires. Voici le groupe sympathique et bien français que forme notre consul à Genine, M. Dussap et sa femme, connu en littérature sous le nom de Guy Chantepleur, deux vaillants qui,
par leur attitude ferme et courageuse, ont su, à certains moments difficiles, imposer aux soldats turcs exaspérés le respect de la population grecque de la ville. Nos documents du bas de la page montrent des pièces de l'artillerie turque broyées sur la forte colline de Bizani, et constituent une sorte de bas-relief pour ce document de tableau d'histoire, le héros du jour, le diadoqué, assistant, sur un trône improvisé, à la cérémonie rituelle que les musulmans soumis célèbrent en l'honneur de leur nouveau maître. L'artillerie turque de Bizani, pièces de 85 et de 105 mm détruites ou gravement endommagées par les obus de l'artillerie grecque. Moins faute. Jean Leun. Le cercueil de Georges Ier transporté sur un affût de canon moins moins point faute à Adocides. De Salonique au Pirée. À Salonique, le transfert, sur son yacht, l'amphitrite, du roi assassiné, fut, le 25 mars dernier, une cérémonie très impressionnante. Parti de la résidence royale, le matin à 9 heures, le cortège funèbre, encadré de ses traditionnels efzones qui formaient la garde particulière du souverain défunt, s'achemina vers le port au milieu d'un immense concours de population recueillie. Toute la garnison avait pris les armes. Les drapeaux étaient surmontés de croix voilées de crêpes. Le cercueil, qui reposait sur un affût de canon, était enveloppé du drapeau national, sur lequel, à l'endroit de la tête, on avait placé la couronne, était suivi par la famille royale, et ce furent les princes et le nouveau roi lui-même qui, au port, transportèrent le corps à bord de l'amphitrite. Il y eut, sur l'amphitrite, un discours du métropolite parlant du roi, tombé au champ d'honneur. Et le bâtiment funèbre où s'était embarquée la reine Olga, soutenue par le roi Constantin, leva l'ancre et prit la direction du Pirée, où, retardé par le brouillard, il n'arriva que le 27 mars un peu avant midi. Il était attendu, sur le débarcadère, par tous les hauts dignitaires de la cour et du royaume qui, dès que le bâtiment eut jeté l'ancre, montèrent à bord pour s'incliner, les premiers, devant la dépouille de leur souverain. Les funérailles du roi Georges à Salonique. Au débarcadère, les princes Hélène, fils et petit-fils du roi, enlèvent le cercueil royal de l'affût de canon pour le transporter sur l'amphitrite. À gauche de notre photographie et à droite du cercueil, les princes Christophore, Nicolas, le nouveau diadoqué Georges et le roi Constantin, à gauche du cercueil, les princes André, Alexandre et Georges. Arrivé au Pirée de l'amphitrite portant le corps du roi Georges moins faute à Gaziades. Pendant le débarquement du cercueil du roi Georges que continuaient de porter les princes de la famille royale, les batteries tirèrent des salves. Le corps fut, comme à Salonique, placé sur un affût de canon. Les deux reines et les princesses montèrent dans les voitures. Le roi suivit le cercueil que précédait le Saint-Synode et que traînaient sur son affût les marins Hélène. Derrière le nouveau souverain venaient les princes, le ministre luthérien, les ministres, les consuls étrangers, toutes les autorités civiles et militaires. Au débarcadère et sur tout le trajet, on avait arboré les couleurs funèbres, blanc et mauve. Des oriflammes flottaient au vent, portant le monogramme du roi en or, surmonté de la couronne. À la gare, un wagon mortuaire peint en blanc avec des bandes mauves latérales reçut le corps du souverain et, lorsque le train spécial s'ébranla pour se diriger sur la capitale, les canons des navires étrangers ancrés au Pirée tirèrent, en même temps que les batteries grecques, les salves de salut. À Athènes, le cortège se rendit,
au milieu d'une affluence énorme, à la cathédrale tapissée de couronnes, où, après une cérémonie religieuse, le cercueil a été déposé dans une chapelle, en attendant le jour des funérailles solennelles. Le cercueil traîné sur un affût par les marins hellènes. Moins Photromaïdes Zeus. Le retour à Athènes de la dépouille mortelle du roi assassiné. Moins le cortège funèbre quittant le débarcadère du Pirée moins faute à Gaziades. Sophia fête la prise d'Andrinople moins manifestation devant la statue du tsar libérateur Alexandre II moins faute Karastoyanov. La prise d'Andrinople. Les communications entre Andrinople et Sofia restent momentanément difficiles et d'une désespérante lenteur. Aucune des photographies ou des correspondances dont l'envoi nous a été annoncé par dépêche n'a donc pu nous parvenir encore et ne nous parviendra avant la fin de cette semaine. On ignorerait tout, d'ailleurs, des conditions exactes dans lesquelles s'est produite la chute d'Andrinople, si deux longs et importants télégrammes d'un correspondant français et d'un correspondant italien, M. Ludovic Nodo, du journal, et M. Luigi Barzini, du Corriere dell'Ilia Sera, n'avaient complété les brefs communiqués des états-majors bulgares et serbes et projeté un peu de lumière dans la chaos des nouvelles contradictoires et fantaisistes provenant de Sofia ou de Belgrade, prétendues. Anéantissement de la ville et de ses mosquées, mort supposée de Choukri Pacha, etc. Notre collaborateur M. Reginald Kahn que nous avions envoyé, nos lecteurs le savent, en Bulgarie, après la rupture de l'armistice et la reprise des hostilités serait arrivé à Andrinople dès le 27 mars avec messieurs Nodo et Barzini s'il n'avait été victime, à son retour de Silistrie, d'un assez grave accident dont il se remet peu à peu, mais qui a nécessité son retour en France. Quand M. Gustave Babin, parti à son tour pour la Bulgarie, a atteint Sofia, Andrinople était déjà aux mains des Alliés. Il a pourtant continué sa route, et les impressions, les descriptions que nous attendons de lui auront un intérêt d'autant plus grand qu'elles seront illustrées d'après nature de dessin de M. George Scott. À la nouvelle de la chute d'Andrinople, nous avons pensé en effet que le peintre des émouvantes scènes de guerre dans les Balkans, dont plusieurs ont été reproduites ici même il y a 3 semaines, devait aller sur les lieux compléter son admirable collection de Kirk Kilissée et de Lulburga. Monsieur George Scott a reçu aussitôt les autorisations nécessaires et, par l'Orient Express jusqu'à Sofia, par les trains militaires ensuite, a gagné Andrinople où il a dû arriver mercredi, en compagnie de MM les députés Messimi, ancien ministre de la guerre, et Benazet, rapporteur de la commission de l'armée. En attendant ses envois et ceux de M. Gustave Babin, voici un exposé succinct de tout ce que l'on sait actuellement de l'événement le plus sensationnel de la guerre des Balkans, la chute d'Andrinople, si longtemps, si fiévreusement attendue à Sofia, peut être célébrée par les Bulgares comme une belle et glorieuse victoire, mais elle ne met pas nécessairement fin à la guerre. Des 3 points où les armées adverses de Sres se trouvaient face à face, Boulahir, Chataldja, Andrinople, ce dernier est le seul dont la conservation ne semblait pas d'un intérêt vital pour les Ottomans. La perte des lignes de Chataldja eut livré Constantinople au vainqueur, l'occupation de la péninsule de Gallipoli eut permis à la flotte grecque de pénétrer dans la Marmara et de bombarder Stamboul à revers, avec Andrinople, les Turcs ne voient disparaître qu'un gage précieux pour les négociations de paix et la capitulation de Choukri Pacha, quoiqu'elle libère d'importants contingents alliés, modifie moins la situation stratégique que la situation morale au préjudice de la Turquie. Pour les Bulgares, quel soulagement!
C'est l'épine qu'on s'arrache du pied, le cauchemar persistant qui se dissipe. De même que la résistance de Port Arthur Jenna, pendant toute l'année 1904, le haut commandement japonais sur le Tchéro, de même la présence, sur sa ligne de communication, de la forteresse ennemie, a entravé constamment les opérations du général Savov. L'attaque et la défense après la prise d'Andrinople, la population de Sofia acclame le ministre de Russie, M. Mekhliudov. Faute M. Bitchev. Trois méthodes s'offrent à l'assiégeant pour s'emparer d'un camp retranché, l'attaque de vive force, le siège régulier, l'investissement. L'attaque de vive force consiste à concentrer sur un ou plusieurs points de la ligne de défense un feu intense, à la faveur duquel l'infanterie se lance à l'assaut des ouvrages. Le siège régulier permet de s'approcher de la place lentement, par une avancée constante, en creusant une tranchée profonde qui se dirige en zigzag vers la ligne de défense. Les travailleurs y progressent peu à peu, à l'abri du canon de la place, on parvient ainsi jusqu'au fort qu'on peut détruire par la mine. Par l'investissement, on se contente d'entourer la ville, de l'isoler, et on compte sur la famine pour l'obliger à capituler. C'est le procédé le moins onéreux, mais aussi le moins rapide. La chute d'Andrinople. Moins carte des opérations bulgares contre les forts de l'Est, dont la prise d'assaut a entraîné la reddition de la ville. D'après les télégrammes de M. Ludovic Nodot. L'armée bulgare était assez mal outillée pour entreprendre un siège régulier. Ses troupes techniques sapeurs, mineurs, artificiers sont peu nombreuses et de qualité médiocre, s'il faut en croire certains témoins oculaires, notamment notre collaborateur à de PNNR1. D'ailleurs, le terrain argileux des environs d'Andrinople se prête mal au terrassement, les pluies diluviennes de l'automne ne s'infiltrant pas dans le sol, les tranchées restent inondées, puis, lorsque les gelées arrivent, le travail de sape devient encore plus dur et plus pénible. D'autre part, l'artillerie de siège de l'armée bulgare ne compte que des pièces de calibre moyen, 150 et 120 mm dont un grand nombre d'un modèle archaïque. Pas une pièce de 20 cm, pas un mortier. À l'artillerie de campagne sont allés tous les crédits disponibles, on a négligé le matériel lourd. Aussi la tâche imposée au général Ivanov, chargé des opérations du siège avec un personnel de pionniers insuffisant et un matériel médiocre, paraissait fort ingrate. Il est vrai que le camp retranché d'Andrinople ne présentait pas surtout son développement des défenses également redoutables. Si les forts du secteur nord-ouest répondent à toutes les exigences de la guerre moderne, en revanche ceux du secteur est sont plus anciens et ne contiennent pas d'abris bétonnés. Enfin, dans le secteur ouest et le secteur sud, les positions naturelles très solides n'ont été renforcées que sommairement par des redoutes de terre. L'infanterie et l'artillerie de campagne ottomane suffisaient amplement à la défense de toute la ligne. Quant à l'artillerie lourde de Choukri Pacha, elle était très supérieure à celle des assiégeants. Les phases successives du siège lorsque les armées bulgares envahirent la Sresse, la 8e division descendant la Meurice, la 3e marchant du nord au sud convergèrent sur Andrinople. À cette période des hostilités, il s'agissait de masquer la forteresse avec le moins de troupes possible afin de consacrer le maximum des effectifs à la lutte contre l'armée de campagne ennemie. L'investissement ne fut d'abord confié qu'à deux divisions et à une brigade de cavalerie qui suffirent à refouler les reconnaissances de Choukri Pacha sur la ligne des forts et à rejeter ensuite dans la place une grosse colonne qui tentait de rejoindre l'aile gauche d'Abdullah Pacha, engagée contre la première armée bulgare à Selioulou.
L'arrivée d'une division nouvellement formée, puis d'unités serbes, permis, vers le 12 novembre, de compléter l'encerclement d'Andrinople et de la couper de toute communication avec l'extérieur. À ce moment, deux divisions serbes, celle du Timok, premier banc, et du Danube, deuxième banc, tenaient les secteurs ouest et nord-ouest, les 8e et 11e divisions bulgares, plus la brigade de réserve de la 9e division, formait la ligne de blocus des secteurs est et sud. Le général Ivanov n'avait pas attendu que l'investissement fût achevé pour tenter des attaques brusquées sur plusieurs ouvrages de la défense, ceux des secteurs ouest et sud, qui sont les plus primitifs et les moins bien armés. Le 7 novembre, la 8e division s'emparait, après un combat de quelques heures, des retranchements de Kartal Tepe, au sud du faubourg de Karagatch. Du côté ouest, il semble que les Alliés aient été moins heureux et qu'après avoir occupé la position de Papa Tepe, ils en aient été chassés par un retour offensif de la garnison d'Andrinople. Jusqu'à la conclusion de l'armistice, au commencement de décembre, tous les efforts tentés pour reprendre Papa Tepe ou pour déboucher de Kartal Tepe vers Karagatch échouèrent. Lorsque les hostilités reprirent, dans les premiers jours de février, les Alliés avaient renoncé, semble-t-il, à prendre Andrinople par une attaque de vive force, comptant sur le blocus et le bombardement pour amener Choukri Pacha à capituler. La ville étant largement pourvue de vivres, les obus n'y causant que peu de ravages, cette tactique ne pouvait amener la reddition de la place. Le commandement bulgare s'en rendit enfin compte et, reprenant son premier plan d'action, décida d'enlever Andrinople d'assaut. Les opérations de la première période du siège avaient montré que l'effort du secteur nord-ouest était trop puissant pour être pris à la baïonnette, que dans les secteurs ouest et sud l'espace manquait pour manœuvrer. Restait le secteur est, le plus étendu, celui où la ceinture des ouvrages permanents forme un angle droit, dont le saillant, le fort d'Aïva Stabia, peut être attaqué à la fois par le nord et l'est, c'est le point faible de la ligne. Le général Ivanov résolut de faire exécuter des attaques dans tous les secteurs pour y fixer l'ennemi et de concentrer son principal effort sur Aïva Stabia et les forts voisins. Monsieur Ludovic Nodo, envoyé spécial du journal, qui put parcourir le terrain du combat quelques heures après l'action, nous raconte comment deux formidables batteries, de 40 pièces chacune, furent établies au nord et à l'est d'Aïva Stabia, 25 000 fantassins massés à proximité attendaient à l'abri que le canon leur eût frayé un chemin pour courir à la baïonnette sur le fort ennemi. Pendant la nuit du 24 au 25, l'infanterie, sortant de ses couverts, chassait les Turcs d'une position avancée, le mamelon de Maslak, situé à 2 km en avant d'Aïva Stabia. À l'aube du 26, tout était prêt pour l'attaque décisive contre cet ouvrage déjà fortement maltraité par les projectiles des grosses pièces bulgares. L'assaut final, cependant, dit notre confrère, le moment suprême était arrivé. Le général Ivanov avait donné l'ordre au 23e, au 56e, au 53e et à un bataillon du 6e de s'élancer à l'assaut d'Aïva Stabia. Le 23e, qui s'avançait en tête, s'efforça de parvenir jusqu'au réseau des fils de fer. Il est accueilli par une grêle de balles, qui, en quelques minutes, lui cause des pertes terribles. Il creuse hâtivement des tranchées, il s'abrite, il avance par bonds, il arrive jusqu'au fils de fer, qu'il commence à briser à coups de pioche, à coups de pelle, à coups de crosse.
Mais alors la fusillade turque est si intense que ce qui reste du régiment a un instant d'hésitation et commence à reculer. Il a déjà perdu 2000 hommes. C'est alors que le colonel s'élance en tête de ses soldats, portant lui-même le drapeau du régiment. En même temps, des batteries d'artillerie de campagne et des howitzers viennent, sous un feu terrible, se mettre en position tout près du 23e régiment, qui, reprenant courage, se rue de nouveau. Il est 5 heures du matin. Le 23e, à l'assaut, se ferait un passage à travers les fils de fer barbelés. Les hommes lancent leurs capotes sur les ronces d'acier, puis ils passent tant bien que mal, grâce à ce bizarre expédit. Les Turcs, en face de l'ascension obstinée de ces furieux que rien n'arrête, commencent à hésiter à leur tour et, tout à coup saisis d'effroi, ils abandonnent leur position et ils s'enfuient vers la ville. Les survivants du 23e sautent dans la tranchée. Ils sont dans le fort, que ne défend aucune force, et aussitôt l'artillerie bulgare, non seulement l'artillerie de campagne, mais un certain nombre d'obusiers, arrive au galop dans Zaïvastabia et y prend position. Déjà, on apprend qu'Adioulou a été enlevé à 3 heures, et c'est le commencement de la fin. Toute la ligne des autres forts de l'Est, désormais tournée et attaquée par le flanc, cède sans résistance. Aucune contre-attaque, aucun essai de reconquérir les positions enlevées par les assaillants n'est effectué à aucun moment. La garnison de chaque fort s'enfuit, frappée de panique, ou bien elle se rend sans coup férir dans les autres secteurs. Le général bulgare Ivanov, le vainqueur d'Andrinople. Moins faute G. Waltz. La grande mosquée d'Andrinople. Cette photographie du célèbre monument, que l'on avait annoncé à tort avoir été détruit par les Turcs eux-mêmes avant l'entrée des Bulgares et qui est heureusement intacte, a été prise cet hiver, pendant le siège. Il en est de même partout. Les défenseurs des forts, trouvant leur situation intenable, abandonnent la défense et mettent bas les armes. Des milliers de soldats, qui ont jeté leurs fusils, se précipitent, affolés, vers la ville. Ils s'efforcent de se cacher dans les maisons des habitants et de se procurer des vêtements civils. Et, pendant que se passent ces scènes lamentables, deux régiments bulgares entrent tranquillement, étendards déployés, dans la ville. À 10 heures du matin, Choukri Pacha, qui venait de faire arborer le drapeau blanc sur la tour du guet et qui avait aussi, paraît-il, envoyé des parlementaires dans les divers secteurs pour demander des assiégeants la cessation des hostilités, n'a pas même le temps de voir revenir ceux-ci. Il est pris, purement et simplement, dans l'un des forts, Lady Erlik, où il s'était réfugié. Ainsi s'écroulait, en quelques heures, la longue résistance de la garnison d'Andrinople. Ce brusque anéantissement laisse une impression d'étonnement, presque de stupeur. On pouvait croire que la famine, les privations avaient affaibli le moral des défenseurs. Il n'en est rien. La ville contenait encore des approvisionnements en quantité. Certaines denrées, telles que le sel et le sucre, avaient atteint 100 fois leur prix ordinaire, mais le grain ne manquait pas, des troupeaux entiers de bœufs et de moutons pâturaient dans les jardins, il fallut tuer les chevaux des officiers et des attelages d'artillerie pour ne pas les laisser tomber vivants aux mains des Bulgares. La soudaineté de l'ouragan d'obus qui s'abattit sur eux, la fougue extraordinaire de l'attaque, paraissent avoir déconcerté les garnisons des forts et provoqué, chez ces soldats fatigués, une panique analogue à celle qui s'empara de leurs compagnons d'armes à Kirk Kilissé et Loulbourga. C'est la lassitude, non la faim, qui a eu raison de l'armée de Choukri Pacha.
un chef-d'œuvre de l'architecture ottomane. Moins la grande mosquée Selimiye d'Andrinople, aux 999 fenêtres. Quel émouvant et magnifique symbole de la conquête que cette mosquée d'Andrinople, dont les puissantes assises reposaient, depuis des siècles, en terre ottomane, et qui, aujourd'hui, est tombée aux mains chrétiennes. Pour ce que la force des armes a conduit jusqu'en ce sanctuaire de l'islam, on ne saurait imaginer de prise plus superbe, ni mieux faite pour exalter l'imagination populaire, et il n'en doit pas être aussi de plus douloureuse au cœur des musulmans. À considérer ces voûtes hardies, d'où pendent les fils innombrables des lustres, ces colonnes, ces portiques, tout ce grandiose lieu de prière, on comprend l'obstination de la résistance turque. La mosquée du sultan Selim, la mosquée aux 999 fenêtres, édifiée de 1568 à 1574 par Sinan, est une merveille de l'architecture ottomane. Formant un immense carré, agrandi, sur l'un des côtés, par l'enfoncement du mihrab, elle dresse, à une hauteur de 35 mètres, sa coupole, qui porte sur 8 arcades aux piliers arrondis. La construction intérieure est en briques, sauf les pieds droits et les corniches qui sont en pierre dure, dit, dans son bel ouvrage sur les coupoles d'Orient et d'Occident, M. Alphonse Osset, les piliers sont recouverts en partie de marbre et disposés par panneaux en facettes étroites, les murs sont ornés de revêtements de faïence, puis de peinture. Les lampes suspendues en cercle donnent l'échelle de proportion à cet immense ensemble, où l'on ne sait ce qui est le plus à admirer, de l'inspiration du génie ou de l'exécution. Des informations, aujourd'hui controuvées, avaient annoncé la destruction de la mosquée Selimiye. Ce chef-d'œuvre n'a fort heureusement souffert aucun dommage pendant le bombardement et après la chute de la ville. L'inauguration du théâtre des Champs-Élysées. Moins la façade illuminée par le projecteur de la tour Eiffel. Cette partie de l'avenue Montaigne proche de la place de l'Emma, qui était jusqu'à présent peu passagère le soir, est maintenant devenue, entre 8h30 et minuit, un foyer d'animation et de lumière. Le théâtre des Champs-Élysées, où deux salles, l'une consacrée à la musique, l'autre à la comédie, s'offrent simultanément au choix du public, a fait, cette semaine, son ouverture, et c'est, à l'arrivée et au départ des spectateurs, un va-et-vient d'automobiles croisant les rayons de leurs lanternes, tandis que la façade marmoréenne de ce nouveau palais resplendit, des portes jusqu'au bas-relief du statuaire Bourdelle, de la blanche clarté frisante que lui dispense le projecteur de la tour Eiffel. L'inauguration du théâtre de musique, avec Benvenuto Cellini que devait suivre, quelques jours plus tard, la première représentation de l'exilé sur la scène de comédie avait attiré une foule élégante et choisie, curieuse de voir les nouveautés promises, depuis longtemps, aux Parisiens. La salle claire, aérée, ne pouvait manquer de séduire par le confortable de son aménagement, qui permet aux spectateurs des commodités inaccoutumées, et par l'excellence de son acoustique. Il est certain qu'un heureux et considérable effort a été réalisé, grâce à M. Gabriel Astruc et à ses collaborateurs, les architectes Perret, pour doter la capitale d'un nouveau théâtre où l'on puisse goûter parfaitement les œuvres lyriques, aussi le plaisir d'entendre a-t-il été sans mélange. La salle elle-même, tout en marbre gris rehaussé par les dorures des colonnes, avec sa coupole ornée d'importantes compositions décoratives du peintre Maurice Denis, est d'aspect sévère, non exempte de froideur. En ce moment où l'on s'ingénie à chercher un style inédit, tout essai, si intéressant soit-il, surprend volontiers notre goût.
Peut-être regrettera-t-on seulement que celui-ci se soit trop directement inspiré de l'art mis en honneur à Munich et à Dresde, transplanté à Paris. Il nous apparaît d'une solennité un peu sèche, délibérément indigente, et par là s'écartant de toute tradition française. À la Comédie des Champs-Élysées, dirigée par M. Léon Poirier, une scène de la pièce d'ouverture, L'exilé, par M. Henri Kistemaecker. Angle de la salle et de la scène du théâtre lyrique, dirigé par M. Gabriel Astruc moins photographie Gershel. De nouveau théâtre dans un même monument, aux Champs-Élysées devant les tribunes, le général Lyautey s'entretient avec le consul d'Allemagne moins Fotnadlar. L'automobile des ministres chérifiants qui arrive de Rabat pour assister au concours hippique. Le général Lyautey félicitant un des vainqueurs du concours, M. de Vaugelas, dont le cheval a franchi un monsieur 70 de hauteur. La première réunion sportive et mondaine au Maroc, le concours hippique de Casablanca moins photographie de Marescal. Casablanca est en voie de devenir en attendant le port bien outillé et les chemins de fer qui assureront sa prospérité une des villes les mieux policées et les plus élégantes de l'Afrique du Nord. À y vivre, on ne se douterait point qu'il faut, presque chaque jour, continuer de se battre un peu plus loin en terre marocaine, pour conserver aux régions soumises et déjà organisées toute la sécurité qu'on leur a promise. Donc, tandis que les combats se succèdent au seuil des régions encore impénétrées, des réunions sportives et mondaines s'organisent à Casablanca en pleine prospérité économique. Un officier de chasseurs d'Afrique soutenu par le club élégant de la ville, l'Anfa Club, qui réunit les personnalités les plus distinguées des colonies françaises et anglaises, a pris l'initiative de ces réunions. Et voici comment fut organisé le premier concours hippique du Maroc, qui eut lieu le 23, le 24 et le 25 mars, et dont le succès ne saurait étonner en ce pays où tout le monde monte à cheval et où une belle monture est le premier luxe des indigènes. Le résident général, qui fut un très brillant officier de cavalerie, et Madame Lyautey assistaient à cette réunion où toutes les notabilités étrangères étaient présentes ainsi que le pacha de Casablanca, Esser Gheba, et les ministres chérifiants venus exprès, en automobile, de Rabat, pour suivre les épreuves que clôturèrent de splendides fêtes. Un jour de tempête à Casablanca moins la jetée assaillie par un raz de marée. Moins faute à fouet. La mauvaise saison s'est fait rudement sentir, cette année, sur les côtes du Maroc, si peu propice aux navigateurs. Il ne s'est presque point passé de semaine où l'on ait eu à signaler quelque accident maritime, dû à la tempête, si souvent déchaînée en ces parages, et à l'insuffisance des abris. Les ports même n'y offrent point aux bateaux de sur-asile, celui de Casablanca, que sa barre rend impraticable par les gros temps, ne leur a donné, tout cet hiver, qu'une hospitalité précaire. Tout récemment encore, le 23 mars, un raz de marée d'une extrême violence s'est abattu sur ses quais, les envahissant de ses eaux furieuses, mal contenues par les jetées trop basses, elles vinrent inonder les bâtiments de la douane, non sans grand dommage pour les marchandises qui y étaient déposées. Le même jour, deux voiliers étrangers se perdaient corps et biens dans la rade de Rabat, tandis qu'un troisième, la Marguerite, battant pavillon français, allait s'échouer, près de la ville, devant la caserne du Tabor de police. Quelle fut l'impétuosité du raz de marée, à Casablanca, notre photographie le montre de saisissante manière, le petit port assailli par les vagues, sur lequel se dresse, abandonné, les grues inactives, la barre qui roule, toute proche,
ces flots menaçants, les navires mouillés au large, composent une sinistre image. Mieux que tout commentaire, elle fait comprendre l'urgente nécessité des travaux d'aménagement reconnus indispensables et dont l'adjudication, conclue la semaine passée, permet d'espérer la réalisation prochaine. Des ailes, moins une colonie d'hirondelles de mer dans un îlot de l'archipel des Philippines. Fauchart Martin. Cette gravure qui semble un fragment de poncif, pour frise décorative et la reproduction sans retouche d'un instantané pris par un voyageur, M. Charles Martin, dans un îlot de l'archipel des Philippines. Elle représente une envolée de sternes, les unes tachetées de gris, les autres recouvertes d'une livrée noire, toutes également blanches sous les ailes et sous le ventre. La forme élancée de la sterne lui a valu le nom populaire d'hirondelle de mer. Pourtant, ce gracieux palmipède a des mœurs bien différentes de celles du passereau qui vient nous annoncer chaque année le retour du printemps. La sterne est essentiellement un oiseau de mer. Elle vit par bandes qui creusent leur nid sur quelques plages désertes, en plein océan, ou aussi loin que possible d'une région habitée. Dès que les petits sont en âge de voler, elles émigrent en masse vers quelque terre lointaine, et, intrépides voyageuses, parcourent ainsi des distances inimaginables. Nous citerons le cas d'une des 38 espèces du genre, la sterne arctique. Cet oiseau pond ses œufs et élève sa petite famille dans les parages du pôle Nord et s'en retourne hiverner sur les rivages du continent antarctique. Sauf le temps de la nidaison, sa vie se passe à faire la navette entre les deux extrémités de l'axe de la Terre. Monsieur Maurice Bertrand. Monsieur Edouard. Monsieur A. Ebrard. Docteur A. de Rothschild. Monsieur H. Bernstein. City Alé Claparède. City Boni de Castellane. Monsieur Messager. Monsieur Astruc. Monsieur Sem Dessinant. Monsieur Paul Robert. Une fantaisie décorative au Théâtre des Champs-Élysées. Moins des croquis grandeur nature crayonnés par Sem sur les murs du bar. Tandis que, dans ce théâtre des Champs-Élysées dont l'inauguration a été l'événement parisien de la semaine, la façade s'orne d'une noble frise due au statuaire Bourdel, qui a également composé. Pour l'atrium d'entrée et les couloirs des loges, une suite de bas-reliefs mythologiques, d'autres parties de ce palais où tout concourt au plaisir des yeux ont reçu une décoration moins sévère. Un élégant parfumoir y accueille, pendant l'entracte, les spectateurs désireux d'échanger quelques propos parmi les nuées légères des cigarettes, pour égayer ce lieu aimable, où, les soirs de « général », passeront tant de contemporains notoires, quel artiste était plus désigné que Sem, leur dessinateur attitré. Il a croqué, avec sa verve coutumière, sur deux panneaux appliqués au mur, et qui ne paraissent point sans distinguer, quelques-unes des silhouettes sans lesquelles on n'imagine pas le tout Paris de 1913. Exécutée à la grandeur naturelle, elle donne l'impression d'avoir été jetée, d'un crayon preste, sur la pierre même. Ainsi vivante et toute proche, elles serviront de fond, si l'on peut dire, aux causeries qui s'échangeront là, entre deux actes. L'Institut et le Collège français de Madrid. La France et ses sœurs latines à Madrid, l'inauguration de l'Institut français, à Rome, la constitution du comité Italia Francia ont été, à peu de jours de distance, deux intéressantes et caractéristiques manifestations en faveur de l'amitié latine. Aussi réunissons-nous sous un même titre d'actualité les correspondances que nous avons reçues de Madrid et de Bornée et qu'il commande de rapprocher.
L'inauguration de l'Institut français de Madrid le 27 mars a eu lieu. L'inauguration solennelle de l'Institut français de Madrid, sous la présidence de Monsieur Stig, ancien ministre de l'Instruction publique, délégué spécial du gouvernement français, et en présence du comte de Romanones, président du Conseil espagnol, des ministres d'État, M. Navarro Riverte, et de l'instruction publique, M. López Muñoz, de l'ambassadeur de France M. Geoffrey, de M. Collignon, membre de l'Institut, Bayet. Directeur de l'enseignement supérieur, Coulet, directeur au ministère de l'Instruction publique, des recteurs des universités de Madrid, Bordeaux, Toulouse et Poitiers, de plus de 50 universitaires français et autres notabilités des deux pays. L'Institut français de Madrid, analogue aux écoles de Rome, d'Athènes, de Florence et de Saint-Pétersbourg, réunit désormais deux œuvres naguère distinctes et d'ailleurs également méritoires. C'est, d'une part, l'École des hautes études hispaniques, fondée, sur l'initiative et sous la direction du savant archéologue M. Pierre Paris, par l'Université de Bordeaux pour permettre à de jeunes agrégés de poursuivre en Espagne leurs travaux, qui ont abouti déjà à des thèses fort remarquables. Et c'est, d'autre part, l'Union des étudiants français et espagnols créée en 1908 par le doyen de la Faculté des Lettres de Toulouse, M. E. Mérimée, pour organiser, à Madrid au printemps, à Burgos en été, deux séries de cours espagnols à l'intention des maîtres ou élèves français se préparant à l'enseignement de cette langue, français pour les auditeurs espagnols, qui, l'an dernier, dépassait, à Madrid, le chiffre de 150, tandis qu'à Burgos se formait une colonie scolaire de 125 Français. De ce double courant parallèle des « échanges universitaires » franco-espagnols était né entre les universités de Toulouse et Bordeaux, leur promotrice, une « ardente et cordiale émulation », selon le mot de M. Stig. Le discours de M. Stig, représentant du gouvernement français, à l'inauguration de l'Institut français de Madrid. Mais toutes deux sentaient également, en raison même du succès de leur entreprise, l'urgente nécessité de substituer une installation définitive et personnelle à l'installation provisoire de l'École des études hispaniques en Garni et de l'Union des étudiants à l'Université de Madrid, où le recteur, M. Conde y Luc, leur offrait une affable hospitalité. L'heureuse coïncidence du transfert, dans un vaste terrain et un nouvel édifice, du collège primaire et secondaire entretenu par la Société française d'enseignement de Madrid, le dévouement du président de cette société, M. Delvaille, le zèle de nos ambassadeurs, MM. Revoil et Geoffrey, les libéralités publiques et privées, ont permis d'édifier en moins d'un an auprès du collège, dans un des meilleurs quartiers de Madrid, bel et sobre bâtiment, dû aux architectes messieurs Galeron et Zabaleu, et qui offre un asile indépendant et confortable à la fois aux boursiers en mission d'études hispaniques et aux chargés de cours français à l'usage du public espagnol. C'est dans la grande salle de conférence qu'a eu lieu la cérémonie de l'inauguration de l'Institut, avec les discours de messieurs Lapi, recteur de l'Université de Toulouse, Collignon, Delvaille, du ministre de l'Instruction publique espagnol, M. López Muñoz, qui eut la délicate attention d'en prononcer une partie dans un français aussi correct que vibrant, et enfin de M. Stig. Tout, après avoir retracé la genèse et défini le caractère de cette institution, ont célébré la reprise, consacrée par la ratification de l'accord marocain, des bons rapports franco-espagnols, dont l'interruption momentanée n'avait d'ailleurs point fait obstacle au succès de notre œuvre universitaire.
Mais encore fallait-il dissiper les préventions dont celles-ci pouvaient être l'objet de la part de certains esprits susceptibles et enclins à regarder la création de cette sorte de faculté française à Madrid comme une mainmise intellectuelle, si l'on peut dire, de la France sur l'Espagne. C'est à quoi s'est très opportunément appliqué M. Stig en spécifiant que ce centre pédagogique et scientifique à la fois se conformerait au principe de la mutualité. Il annonce que, à la demande des universités françaises, des notabilités espagnoles comme le Dr Ramon y Cajal, titulaire du prix Nobel, et l'éminent philologue Ménandez Pidal, iraient à leur tour donner des conférences en France, suivant l'exemple récent de M. Altamir, directeur de l'enseignement primaire, à la Sorbonne, en fut un gage suffisant. La cordialité qui n'a cessé de régner durant ces fêtes, à la séance d'inauguration comme au déjeuner offert par le comte de Romanones à M. Stig, au dîner, et à la brillante soirée de l'ambassade de France, s'est peut-être manifestée d'une façon plus expressive encore pendant l'excursion des délégués français à Tolède, où les exercices exécutent devant eux par l'école d'infanterie et les hymnes des deux pays joués par sa musique ont fourni l'occasion de toasts chaleureux en l'honneur de chaque armée. Quant au roi Alphonse XIII, partisan convaincu de l'entente franco-espagnole, si son accident de cheval a obligé de supprimer le déjeuner auquel il avait invité M. Stig et la réception des universitaires français au palais, l'audience précédemment accordée par lui à notre envoyé officiel avait témoigné de l'intérêt et de la sympathie qu'il porte à cette belle œuvre. J. Cos. France-Italie, et Italia-Francia, dans la jolie villa Cavaliere y s'est constitué à Rome, récemment, le comité Italia-Francia qui, sous la présidence honoraire du marquis Visconti Venosta, travaillera de concert avec le comité France-Italie présidé par M. Pichon, à resserrer les liens qui unissent les deux pays. On remarquait parmi les assistants à la réunion, M. Luigi Luzzatti, ancien président du Conseil, le chef socialiste réformiste, le député Bissolati, M. Salvatore Barzile, l'un des meilleurs orateurs du Parlement, le leader républicain Eugenio Chiesa, le sénateur Martini, ancien gouverneur de l'Érythrée, M. Carcano, conservateur, vice-président de la Chambre, le sénateur Pompeo Molmanti, bien connu, le sculpteur Leonardo Bistolfi, M. Guglielmo Ferrero, l'historien si apprécié en France. M. Luigi Luzzatti, qui préside le comité Italia Francia. Le commandeur Enea Cavalieri, secrétaire du comité Italia Francia. Le comité qui s'est formé a désigné comme secrétaire général le commandeur Enea Cavalieri. Celui-ci, avec beaucoup d'amabilité, a bien voulu, en quelques mots, me dire, pour l'illustration, quelles étaient les intentions du nouveau comité, en nommant comme président d'honneur un diplomate tel que le marquis Visconti Venosta, dont personne en France n'a oublié le rôle à la conférence d'Algésira. Nous avons voulu, me dit-il, montrer la tradition de la politique italienne qui a été toujours la plus cordiale vis-à-vis de la France. Notre comité n'a pas, nominalement, de président effectif, mais, comme M. Luzzatti se trouve en tête des fondateurs du comité Italia Francia, c'est lui qui remplit effectivement cette charge. Nos statuts visent à la constitution de deux bureaux, l'un qui aura pour objet les études littéraires ou artistiques intéressant les deux pays, l'autre qui s'occupera des questions politiques et économiques. Remarquez bien que nous ne voulons pas que notre activité économique devienne purement commerciale, certes, si de grandes questions touchant nos deux pays sont en jeu,
nous y donnerons toute notre attention, mais nous ne voulons pas chercher à conclure des affaires. Ce que nous désirons, c'est encourager tout ce qui se fait en Italie, pour mieux faire connaître et apprécier la France. Nous organiserons des conférences, nous soutiendrons les institutions qui s'occupent de propager en Italie la langue et la culture française. Nous espérons pouvoir bientôt envoyer une forte délégation portée au comité France-Italie à Paris les salutations de notre comité italien. La presse a salué avec sympathie la formation du nouveau comité et les grands journaux romains y ont consacré leur éditorial. À peine constitué, le comité Italia Francia a reçu de nombreuses adhésions de toutes les parties de l'Italie et il compte actuellement parmi ses membres la plupart des noms qui, à l'étranger, personnifient l'Italie intellectuelle. Il a devant lui un bel avenir pour le plus grand bien des deux nations latines. Robert Vaucher. La voiture présidentielle à la sortie du congrès mutualiste. Le cortège officiel au château d'eau du Peyrou. Le président de la République à Montpellier, Monsieur Poincaré à Montpellier pour sa première visite officielle aux provinces françaises, Monsieur Raymond Poincaré a reçu, dimanche dernier, à Montpellier, un accueil inoubliable. On ne vit jamais, de mémoire de méridional, et sous la pluie, un pareil enthousiasme, de plus chaleureuses ni de plus unanimes acclamations. Ajoutons aussi que rarement, un chef de l'État eut des gestes et des mots plus opportuns, plus heureux, et ne sut s'adresser avec plus de tact au cœur de la foule. Monsieur Poincaré s'était rendu à Montpellier pour clôturer le Congrès national de la Mutualité française. Son voyage, au programme très chargé, fut cependant très court et l'on peut dire qu'il battit le record de la célérité. Alors, en effet, que les rapides ordinaires mettent une quinzaine d'heures pour couvrir les 850 km qui séparent Paris de l'Hérault, en moins de 34 heures, M. Poincaré, accompagné de M. Louis Barthou, président du Conseil, et de M. Chéron, ministre du Travail, a effectué le trajet d'aller et retour, entendu 20 Rennes, répondu autant de fois, prononcé deux beaux discours, présidé une séance solennelle et un banquet, assisté à une fête champêtre et visité une clinique et un hôpital. Les journaux quotidiens ont donné un compte-rendu détaillé de ces fêtes et cérémonies auxquelles avait voulu assister un éminent ami de la mutualité et de tout ce qui est français, le prince de Monaco. L'une de nos photographies donne une vision de la foule massée devant le théâtre à l'instant où le président de la République, qui venait de clôturer le congrès mutualiste, sortait pour se rendre au manège d'artillerie où avait lieu le banquet de 2500 couverts. La fête champêtre eut pour cadre la fameuse promenade du Peyrou, dominée par le château d'eau, d'où, lorsque le temps est clair, on aperçoit la mer. Des grisettes montpelliéraines, sœurs des midinettes de Paris, récitèrent un compliment en languedocien, et, sous des arceaux de verdure et de fleurs entrelacées, des groupes de jeunes garçons et de fillettes, de jolies pitchounettes en costume traditionnel, exécutèrent les danses locales de la treille. Monsieur Raymond Poincaré complimenta avec esprit, serra des mains, embrassa des enfants, entendit 40 fois la Marseillaise et, au bout de sa journée, salué par une dernière formidable acclamation, reprit, à 7 heures, le train de la capitale. La succession de M. Lépine en revenant du voyage présidentiel où il remplissait pour la dernière fois les fonctions de directeur de la Sûreté Générale, M. Aignan est allé recevoir des mains de M. Lépine le sceptre, ou, pour mieux dire, le bâton blanc de la préfecture de police.
Le successeur de M. Lépine est né dans un bourg du département du Nord, à Gomeni, près d'Avesnes. Il a même aujourd'hui la satisfaction d'être le maire de sa commune natale. Engagé dans l'infanterie pour 5 ans, M. Aignon quitta son régiment en 1885, avec les galons de sergent-major, et, dès l'année suivante, il entrait à la Sûreté Générale. Nommé, un peu plus tard, commissaire spécial à Paris, puis envoyé, sur sa demande, à Verdun, comme commissaire de police, il y resta près de 3 ans pour étudier le fonctionnement de la police en province. Il était rappelé en 1893 à la Sûreté Générale, et, depuis 20 ans, il n'a plus quitté ce service qu'il dirigeait depuis 6 ans. Monsieur Aignon-Fautgersschel. Sa figure n'est pas encore aussi connue des Parisiens que celle de Monsieur Lépine. Elle laisse, en tout cas, des habitués des champs de course, où, pendant 12 ans, M. Aignon pourchassa les parieurs au livre au grand profit du Trésor, qui du pari mutuel allait tirer les admirables ressources que l'on sait. On a vu aussi M. Aignon en province, puisqu'il y fut, à l'occasion de plus de 100 voyages de chefs d'État, l'organisateur des services d'ordre. Mais, surtout, M. Aignon est le créateur de ces brigades mobiles qui ont transformé les conditions de travail du service des recherches. Grâce à lui encore, ce service se trouve aujourd'hui pourvu de tout l'outillage moderne qui ne lui a manqué que trop longtemps, archives criminelles centralisées à Paris, ateliers de photographie constitués dans les commissariats et au siège des brigades mobiles, applications de plus en plus étendues de la téléphonie et de l'automobilisme aux opérations de sûreté générale. Monsieur Pujalet dans son ancien cabinet du Louvre Faute Visavona. Grand, robuste, la moustache courte et jeune, la démarche aisée, le geste prompt, le nouveau préfet de police est un quinquagénaire favorisé par la nature, il a le visage d'un homme de 40 ans à peine. Monsieur Eugène Pujalet qui succède à Monsieur Aignon comme directeur de la Sûreté Générale n'est âgé que d'une 40aine d'années. Il a débuté dans l'administration, il y a 19 ans, comme chef de cabinet du préfet du Tarn. À 23 ans, il était appelé à Paris connu secrétaire du directeur de la Sûreté Générale, passait de ce service à la direction du cabinet de M. Blanc, préfet de police, et, en 1899, revenait à la Sûreté Générale avec les fonctions d'inspecteur des commissariats spéciaux. Après le vol de la Joconde, on confia à M. Pujalet, jeune, énergique, plein d'initiative, la direction provisoire des musées nationaux où il réorganisa si bien la surveillance et la discipline du personnel que ses fonctions venaient, il y a quelques mois, de lui être confirmées à titre définitif. Définitif, on le croyait du moins, puisque voici le directeur des musées d'hier devenu le directeur de la sûreté d'aujourd'hui. Deux photographies du défunt roi Georges de Grèce. Un de nos excellents correspondants, M. France de Jessen, nous envoie de Copenhague, avec ses quelques lignes de commentaires, deux documents curieux et rares sur la jeunesse du roi Georges de Grèce qui vient d'être si lâchement assassiné après un règne prospère de 50 ans. La première de ces photographies représente le roi, alors prince Guillaume de Danemark, en uniforme des cadets de la marine danoise. Elle date du mois de décembre 1862, c'est-à-dire quelques mois avant l'élection du prince au trône des Hélènes, 30 mars 1863. Le prince fut, en effet, à l'époque de son élection, cadet de la marine danoise moins ni plus ni moins. Il est à faire remarquer qu'à ce moment son père, feu le roi Christian IX,
n'avait pas encore pris possession de la couronne danoise, portée alors par le roi Frédéric VII, mort en novembre 1863, tandis que le prince Christian n'était qu'héritier présomptif. La nomination du prince Guillaume au grade d'officier de marine n'eut lieu que le jour même où le roi Frédéric VII acceptait au nom du jeune prince l'offre apportée par la députation Hélène, présidée par le vieux et fameux amiral Canary, audience solennelle au château de Christiansborg à Copenhague, 6 juin 1863. Le prince Guillaume de Danemark en 1862, à la veille d'être appelé à gouverner le royaume de Grèce, sous le nom de Georges Ier. Le roi Georges de Grèce après son avènement, en 1864, entouré de sa suite danoise. L'autre photographie est prise à Athènes après l'avènement du roi Georges, en été 1864. Le nouveau roi avait alors 18 ans. Il est entouré par sa suite danoise, c'est-à-dire les officiers danois qui l'ont accompagné en Grèce. Le roi est le jeune homme coiffé d'un chapeau melon, assis au milieu. Il a à ses côtés, également assis, le baron de Gilles de Névonne. À gauche du roi, debout, le capitaine Fonch, derrière le roi, debout, le lieutenant des dragons Hannibal Lett. Lendemain de révolution au Mexique, si l'ordre règne maintenant à Mexico, après la violente tragédie, la sauvage guerre de rue, qui ensanglanta la ville et qui se termina par le meurtre du président Madero et du vice-président Suarez, des ruines demeurent que l'on mettra peut-être longtemps à relever. Les obus, qui, pendant 3 jours, se croisèrent entre le palais où s'était retranché le gouvernement et l'arsenal où s'étaient fortifiés les révolutionnaires, portèrent un peu partout leur œuvre de destruction et de mort, parmi les paisibles demeures et les monuments publics, dans les rues et sur les places qui, en certains endroits, furent jonchées de cadavres que l'on brûla sur place. Nous publions ici 2 des nombreuses photographies qui nous ont été communiquées sur les lendemains de cette convulsion politique et qui témoignent de la violence aveugle de ce bombardement à l'intérieur d'une capitale. Documents et informations. La production totale du diamant. Dans son traité de métallogénie, M. de Launay cherche à évaluer la quantité totale de diamants extraits du sol depuis que l'on commença à apprécier ces brillants cailloux. Tous les anciens diamants venaient de l'Inde. Les mines de ce pays, aujourd'hui complètement épuisées, auraient fourni environ 2000 kilos. En 1723, on découvrit les gisements du Brésil, qui ont donné 2500 kilos de diamants représentant une valeur brute de 500 millions, soit 40 francs le carat, un carat égale 20 centigrammes. Mais, depuis quelques années, la production annuelle est réduite à 350 carats ou 70 grammes. Aujourd'hui, le monde entier est alimenté par les mines du Cap, trouvées en 1870. La production a atteint 3600 carats en 1887 et en 1898. Depuis lors, le syndicat des mines a limité l'extraction afin d'éviter la formation d'un stock trop considérable. Voici la production mondiale de 1909. Cap, Compagnie de Beers. 1 860 000 carats. Transvaal. 1 929 492 oranges. 656 319 Afrique allemande. 400 000 Guyane anglaise. 5646 Nouvelle-Galles du S. 2205. La valeur des pierres diffère beaucoup selon la provenance. Le diamant brut du Cap vaut en moyenne 40 francs le carat, celui du Transvaal, 16 francs.
Monsieur Delaunay est amené à évaluer ainsi la production totale du diamant depuis l'origine, millions valeur en millions de carats. 2 francs. Inde. 10 426 Brésil, 1723 à 1910. 12 500 Afrique du Sud, 1867 à 1910. 123 900 total. 142 4826 et 142 millions de carats de diamants bruts représentent 28,4 tonnes et 8 mètres cubes, avec une valeur brute de près de 5 milliards. En tenant compte de la taille, le volume peut être diminué de moitié, mais la valeur marchande, au cours actuel, peut être quintuplée. Nous arrivons donc à un total de 4 mètres cubes de diamants taillés, valant 24 milliards et pouvant tenir dans une caisse mesurant 2 mètres de longueur et 2 mètres de largeur sur 1 mètre de hauteur. Devant de tels chiffres, qui font sourire les femmes et rougir le philosophe, on se demande comment le monde peut encore absorber chaque année pour 140 millions de diamants bruts qui, taillés, représente un achat d'environ 600 millions. L'aménagement des montagnes dauphinoises. L'Association dauphinoise pour l'aménagement des montagnes a pour but l'amélioration du domaine forestier et du régime pastoral dans les régions montagneuses du Dauphiné. Fondée à Grenoble, il y a quelques années, elle a déjà obtenu des résultats sérieux, malgré la faiblesse des ressources dont elle dispose. Grâce à une active propagande, plusieurs communes ont cessé d'accueillir les moutons de Provence qui venaient, chaque été, achever la dévastation de leurs pâturages, en même temps qu'ils rendaient impossible toute tentative de reboisement. Dans ces conditions, on a constaté, au bout de 3 ou 4 ans, une véritable renaissance de la végétation forestière et pastorale, dans l'Oisans, notamment, des coteaux abrupts, rongés par le ruissellement et les avalanches, se couvrent peu à peu d'un manteau forestier protecteur. Les plantations réussissent dans la proportion d'environ 70%. Mais cela coûte cher. Beaucoup de communes ne comprennent pas encore leur véritable intérêt, d'autres ont des ressources si modiques que l'association doit prendre à sa charge le déficit causé dans la caisse municipale par la non-location. À ces frais et à ceux de propagande viennent s'ajouter les dépenses pour la création de pépinières et pour les plantations, et encore les subventions à diverses initiatives particulières, tels que les reboisements d'un caractère esthétique entrepris par le syndicat d'initiative du Monestier de Clermont. L'association demande à ses adhérents une cotisation minime, 2 à 10 francs, au gré de chacun. Il semble donc permis d'espérer que le nombre de ses adhérents augmentera rapidement, surtout dans les régions intéressées à une œuvre dont personne ne saurait discuter l'utilité. Pylône d'une horloge publique éventrée par les obus. Maison criblée par la mitraille. Moins photographie de Monsieur J.B. Moreau. Les ruines de la guerre civile à Mexico, vue panoramique de Vendôme, montrant comment la ville est dominée par la tour de Saint-Martin, moins faute H. Chartier. La fin d'un scandale. L'administration des Beaux-Arts a prononcé, la semaine dernière, le classement du clocher de Saint-Martin, à Vendôme, ainsi va prendre fin, à la satisfaction de tous les défenseurs de nos richesses monumentales menacées, et des Vendômois tous des premiers, le scandale qu'avait publiquement révélé, à la tribune de la Chambre, M. Maurice Barré. Nous avons, dans notre numéro du 22 mars, publié les deux photographies qu'avait montrées à ses collègues le député de Paris, comme preuve des fâcheux travaux exécutés dans la tour.
Pour répondre aux désirs qu'on nous a exprimés de divers côtés, nous reproduisons aujourd'hui une vue d'ensemble du clocher de Saint-Martin. Son seul aspect justifie l'émotion unanimement provoquée par l'acte de vandalisme dont il a été l'objet, c'est bien l'une des parures de Vendôme que l'on avait tenté de déshonorer, et que l'arrêté de classement vient de sauver fort à propos. La disparition du café anglais. Après Tortoni, la maison Borée, le café du Helder, voici que disparaît le café anglais. Un immeuble de rapport va remplacer la maison Vieux-Jeu, aux fenêtres étroites et basses, qui, depuis longtemps, paraissait sommeiller au coin du boulevard et de la rue de Marivaux, dédaignant toute modernisation susceptible d'éblouir les passants qu'étonnait un pareil anachronisme à deux pas de l'opéra et de l'opéra comique. Fondée dans les dernières années du XVIIIe siècle, ce restaurant célèbre connut sa plus grande prospérité sous le Second Empire. Gros financiers, artistes enrichis, littérateurs en vogue, princes de tout pays, s'y rencontraient avec l'aristocratique jeunesse dorée, qui continuait avec autant de brio que ses aînés, mais peut-être moins de désinvolture, la tradition des soupers de la Régence. La finesse de la cuisine, la supériorité de la cave étaient aussi justement renommées que la discrétion du lieu et le ton imposé par une clientèle ultra sélecte. Après la guerre, les soupeurs d'antan se reposèrent, ceux de la nouvelle génération adoptèrent la brasserie, recherchant le coude à coude, la gaieté bruyante et l'addition discrète. Un instant, le café anglais, acheté par une société, connut des jours moins heureux. En 1876, il fut acquis par le propriétaire actuel, M. Burdell, qui sut ramener chez lui une clientèle hésitante et sans faire une nouvelle. On ne soupait plus guère au café anglais, mais on y déjeunait et l'on y dînait. Les boursiers, quelques hommes de lettres parmi lesquels Sardou fut le client le plus fidèle, les riches étrangers, tous les gens fortunés sachant vraiment manger, fréquentaient assidûment cette maison hors rang dont la table continuait à lutter victorieusement avec celle des plus somptueux palaces. Aux passants rapides, le café anglais semblait vide et abandonné, en réalité, il faisait de brillantes affaires. Sa disparition est la conséquence de la plus-value formidable dont profitent depuis quelque temps les terrains du quartier de l'Opéra. L'immeuble, voué à la démolition immédiate, occupe une surface de 198 mètres. Il a été vendu à 1 500 000 francs, ce qui fait ressortir le prix du terrain à 7 000 francs le mètre. Le prix d'un cuirassé en Angleterre et en Allemagne. L'Engineering vient de publier des renseignements intéressants sur le prix actuel des navires de guerre construits en Angleterre et en Allemagne. Les cuirassés allemands du type Kaiser, construits par les chantiers impériaux, et ceux du type Kaiserin, construits par des chantiers privés, ont les mêmes caractéristiques générales, 170 mètres de longueur, 24 000 tonnes de déplacement, turbine de 28 000 chevaux ayant donné aux essais une vitesse de 21 nœuds. Les premiers ont coûté 59 millions et demi, les autres, 60 millions. Les bâtiments anglais du type King George V, un peu moins gros que les unités allemandes, 166 mètres de longueur et 23 000 tonnes de déplacement, ont la même puissance et la même vitesse, ils ne coûtent que 50 400 000 francs. En outre, l'armement, quoique très supérieur à celui des cuirassés allemands correspondants, a coûté environ 6 500 000 francs de moins par navire. Le Goben, croiseur de la marine germanique,
mesure 184 mètres de longueur, déplace 22 600 tonnes avec une force de 52 000 chevaux, il a coûté 55 millions. Le Lion, de la marine britannique, mesure 198 mètres, déplace 26 300 tonnes et utilise une puissance de 70 000 chevaux, il a coûté 51 700 000 francs. De façon générale, l'écart des prix de construction entre les divers chantiers de l'Angleterre ne dépasse pas 2%, et ces prix représentent une économie de 8 à 15% sur ceux des chantiers allemands. La maison de Balzac. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts a tenu à classer parmi les monuments historiques le petit pavillon avec jardin que Balzac vint habiter à Paris, au numéro 24 actuel de la rue Pierre-Berton, lorsqu'il fut obligé de vendre, pour cause de dette, son chalet des Jardies, à Sèvres. C'était, transformée au goût moderne, une aimable résidence du XVIIIe siècle appelée la Folie Bertin, où Bertin de Blagny, financier artiste, avait donné plus d'une fête en l'honneur de Mademoiselle Reuss, pensionnaire du Théâtre Français. Peut-être sa situation tenta-t-elle le grand écrivain du XIXe siècle, plus encore que ses souvenirs. Car elle avait deux issues, ressources précieuses pour fuir les créanciers importuns. Là, l'auteur de la comédie humaine acheva, au cours de veilles laborieuses, sa grande histoire de la société moderne, avec Ursule Mirouet, la cousine bête, Modeste Mignon, le cousin Pons, et ce mercadet qui fut comme un reflet de ses luttes avec ses créanciers. Le pavillon de la rue Berton est aujourd'hui le musée que la Société des Amis de Balzac a meublé de pieux souvenirs. Par la porte-fenêtre de la pièce, qui fut le cabinet de travail de l'écrivain, on accède au jardin où il aimait à se promener, vêtu d'un froc blanc de dominicain dont il avait fait son costume d'intérieur. Parfois même il y faisait porter sa baignoire, pour se reposer en plein air et dans l'eau. Nidification précoce. Avec les hivers particulièrement doux qui sont la règle depuis quelques années, les oiseaux commencent à se sentir désorientés, et on les voit faire leur nid et pondre en des saisons tout autres que la normale. L'effet qui suivait qu'a recueilli un observateur anglais, dans le Cheshire, donne l'impression que normalement il y a chez les oiseaux une tendance à une seconde saison reproductrice en automne, tendance qui se réalise quand le temps est favorable. En 1911, l'observateur en question a trouvé des œufs de ramier le 25 octobre, des œufs de roitelet en décembre, de jeunes étourneaux aussi en décembre. En 1912, il a trouvé des œufs de linotte, janvier, de roitelet, janvier, des jeunes étourneaux, janvier, des œufs de merle, de moineau, etc., en novembre et décembre. En 1913, il a vu des œufs de merle en janvier, de jeunes étourneaux aussi en janvier, et de diverses autres espèces aussi des œufs et des jeunes, toujours en janvier. Le Japon et la Chine vus par un artiste. D'un récent voyage au Japon et en Chine, où il était allé chercher des sujets nouveaux d'inspiration, Monsieur H. Le riche, le peintre et dessinateur bien connu, a rapporté une ample moisson de croquis et d'études plus poussées, à l'huile et à l'aquarelle, dont, à plusieurs reprises, l'illustration a eu la primeur. Ces études, Monsieur le Riche les réunit aujourd'hui en une exposition qui vient de s'ouvrir à la galerie Georges Petit, elle constitue un ensemble d'un rare attrait, par lequel s'affirme le charme varié de ses impressions d'Extrême-Orient, dont nos lecteurs auront eu un délicat avant-goût. Une grande Lorraine, une Lorraine de grand cœur,
qui fut l'une des premières à honorer la mémoire de nos soldats tués sur les champs de bataille de 1870, Madame veuve Adolphe Bezenson, née de Viville, belle-sœur de Paul Bezenson qui fut maire de Metz en des temps difficiles, de 1871 à 1877, vient de disparaître, à un âge très avancé. Sa mort a été vivement ressentie dans tout le pays annexé, où elle était entourée d'une touchante vénération. Madame Adolphe Bezenson. Moins faute prio. Bien avant que fût fondée l'Association des Dames de Metz, Madame Bezenson s'était donné la noble tâche d'entretenir et de parer les tombes des Français tombés, pendant la guerre, autour de la grande ville lorraine. Chaque année, à la Toussaint, et quand revenaient les douloureux anniversaires, elle se rendait secrètement au cimetière Chambière, dissimulant sous ses vêtements des fleurs et de petits outils de jardinage, avec lesquels elle nettoyait pieusement les tertres. Plus tard, on osa rendre ostensiblement hommage à nos morts. L'honneur lui reste d'avoir commencé cette œuvre du souvenir, à laquelle les Alsaciens lorrains sont restés, malgré les obstacles, si fidèles. Madame Bezenson était titulaire de la médaille des anciens combattants de Gravelotte et de la médaille en or de la Société pour l'encouragement au bien. Cette distinction, qui ne se décerne qu'une fois par an, lui avait été remise solennellement par le président de la République en 1908. Metz a fait à cette grande Lorraine des obsèques émouvantes. Le célèbre banquier américain, John Pierpont Morgan. Pierpont Morgan. Monsieur Pierpont Morgan est mort à Rome, dimanche dernier. Il est mort après quelques jours de maladie, tout comme le plus modeste des rentiers. Gastrite aiguë, compliquée de prostration nerveuse, disent les dépêches. Il avait 76 ans, étant né le 17 avril 1837, à Hartford, dans le Connecticut. Et la première originalité de ce milliardaire fut de n'être pas parti de rien. Il faut que les biographes en prennent leur parti, ils n'auront pas, cette fois, la ressource d'exciter l'imagination populaire, au récit d'aventures d'enfance pathétiques, de débuts misérables et attendrissants. Le jeune Pierpont Morgan, avant de devenir le roi de la finance, ne fut point le gamin qui apprend à lire tout seul, cire les bottes et vend des journaux dans les trains. Pierpont Morgan avait des papiers de famille et une généalogie. Ses aïeux, émigrés d'Angleterre aux États-Unis, s'étaient établis au Massachusetts en 1636, et voilà donc plus de deux siècles et demi qu'il existe en Amérique des parents de ce génial manieur d'affaires. Il avait fait, à Hartford, de bonnes études. Il avait été étudiant à Boston, puis, après un séjour en Suisse, il avait fait un stage en Allemagne, à l'université de Göttingen. En 1857, à 20 ans, il entrait dans la maison de son père, qui était alors banquier à Londres. L'apprentissage ne fut pas long. Le propre du génie n'est pas seulement d'apprendre vite, mais de deviner ce qu'il ignore. Il se sépare, au bout de peu de temps, de son père, pour devenir à New York son correspondant, en même temps que le directeur d'une banque qu'il y fonde moins la banque d'Ebony Morgan and Company. Le novice est désormais lancé. En moins de 10 ans, il est l'un des rois des chemins de fer aux États-Unis. On a dit de Pierpont Morgan qu'il était un grand ami de notre pays. C'est vrai. On sait qu'au lendemain de la défaite de Sedan, une maison de banque vint la première, sans hésiter, au secours des vaincus, celle de Julius Spencer Morgan,
qui prêta 250 millions au gouvernement de la Défense nationale, 250 millions grâce auxquels put être continuée la lutte et sauver l'honneur des vaincus. Nous ne devons pas oublier que, comme correspondant de son père aux États-Unis, Pierre Pant Morgan se trouvait naturellement associé à une opération où s'affirmait, en même temps que la vitalité du crédit français, la persistance d'amitiés puissantes et qui nous sont restées fidèles. Pierre Pant Morgan avait alors 34 ans. Il allait entrer dans la plénitude de son influence et de son action. Action souveraine, influence telle qu'aucun industriel, aucun financier, n'en ont jamais connu de comparable à celle-là. Témoin des embarras et des catastrophes continuellement engendrées, aux États-Unis, par la lutte véritablement sauvage et meurtrière des Conquerors, Pierre Pant Morgan avait pensé, il faut substituer à cette anarchie de l'ordre. Il faut supprimer les concurrences. Il fallait donc pour cela transformer les concurrents en associés. C'était l'idée des trusts, dont la réalisation pouvait sembler une chimère monstrueuse et folle, et que pourtant le génie de Morgan réalisa. Trust des chemins de fer, trust de l'acier, de la viande, de l'or, de la houille, des banques, de la navigation, cet homme prodigieux les osa tout. Qu'une telle audace ait eu parfois des effets très salutaires, et qu'on ait pu considérer, à de certaines heures, Pierre Pant Morgan comme le sauveur du crédit américain, cela ne semble point naïeble à quelques-uns, mais ce n'est pas non plus l'avis de tous, et ce sera le rôle des économistes de déterminer dans quelle mesure fut bienfaisante et dans quelle mesure put être préjudiciable à la condition économique des États-Unis l'œuvre de conquête, absolument fantastique, poursuivie durant plus de 30 années, par cet homme surprenant. Elle lui avait rapporté, à lui personnellement, une fortune de 5 ou 6 milliards, disent les uns moins d'un milliard, affirment les autres. Il supportait avec flegme et simplicité le poids de cette richesse. C'était un homme de haute taille, corpulent, 105 kilos, avec une encolure de taureau, des mains puissantes, un nez énorme sous lequel grisonnait une moustache serrée autour des lèvres minces, et le plus impressionnant regard qu'on pût imaginer, un regard gris, pénétrant, dont des sourcils épais semblaient retenir la lumière. Il parlait peu. Il allait dans le monde le moins possible. Il était un homme de foyer, et un homme de travail. Jules Huret a ainsi décrit la maison où Pierre Pant Morgan travaillait, la banque se trouve au coin de Wall Street. N23, et de Brad Street, numéro 3. Elle n'a que 5 étages uniformes. La façade est en pierre de taille. Au-dessus de l'entrée des bureaux où se dressent deux colonnes de marbre rougeâtre soutenant un petit portique triangulaire, je lis, J.P. Morgan et compagnie, découpé en relief dans la pierre du triangle. Sur toutes les fenêtres des étages supérieurs, louées à des bureaux privés, on voit, en lettres dorées, des noms de courtiers, de sociétés financières, etc. Rien d'imposant en vérité, n'était l'idée de la puissance qu'on se fait de l'homme qui monte tous les jours les 6 degrés de pierre du perron d'où il peut voir la statue de Washington. Le bureau du « patron » fait suite à ceux des employés et des « grands chefs » qui ne sont séparés les uns des autres que par des cloisons basses. Le bureau de Morgan est au fond. Il n'y a même pas d'antichambre qui le sépare des autres. Des cloisons de verre l'entourent. Quiconque avait à parler à Morgan y pouvait entrer librement. Ce grand travailleur aura été un grand philanthrope. Il entretenait 300 asiles de pauvres.
Il fut aussi un grand amateur d'art, et sa collection particulière est une des plus merveilleuses qui soit au monde. La France enfin lui doit deux très beaux dons, le dos d'une splendide collection de pierres précieuses qui est au muséum, et celui du fameux chef de Saint-Martin, qu'il restitua simplement à l'État français, le jour où, ayant payé fort cher cette relique, il apprit qu'elle était une propriété d'État, qui n'était point à vendre. Pierre Pantemorgan laisse une veuve, trois filles et un fils qui lui succèdent. C'est, dans le monde, une grande figure de moins, et, pour l'Amérique, une véritable force qui disparaît. Les théâtres l'Athénée représentent en ce moment avec succès un comédie qui semble devoir passer à juste titre pour la plus originale, la plus subtile et la plus raffinée de cet écrivain original, subtil et raffiné qu'est Monsieur Abel Hermant. C'est la semaine folle. La semaine follet, à Venise, la semaine de carnaval, c'est pendant une semaine de carnaval à Venise que se déroule l'action que M. Abel Hermant a choisi comme prétexte à sa nouvelle étude de mœurs cosmopolites, un drame d'amour, qui ne se termine d'ailleurs pas tragiquement. L'héroïne de l'aventure a meublé à la russe son palais du Grand Canal et il se trouve que ces deux byzantinismes harmonisent à merveille leur ligne hardie et leur coloration violente, or ce détail a quelque chose de naturellement symbolique, toute la pièce ayant ce caractère d'étrangeté forte et séduisante. Elle est jouée, tout à fait dans le ton qui convient, par Mademoiselle Ventura, une slave ardente, inquiétante et captivante, par Monsieur André Brûlé, à qui on peut supérieurement accorder, au masculin, les mêmes qualificatifs, par Monsieur Jacques de Peyrody et par Messieurs Guyon fils, Gallet, Guilaine. Le théâtre lyrique des Champs-Élysées, fondé et dirigé par M. Gabriel Astruc et dont nous avons montré plus haut l'effet extérieur et la disposition intérieure, a ouvert la série de ses spectacles par les représentations d'œuvres de choix, d'abord Benvenuto Cellini de Berlioz, créé en 1838 et dont pourtant c'était seulement la huitième représentation. Ensuite pour succéder à cet opéra si romantique quant à ses détails extérieurs, si humain quant à son expression une pastorale, le Fraiseuds, de Weber. Joué, pour la première fois peut-être en France depuis un demi-siècle, sous sa forme originale. La troisième soirée a été exclusivement consacrée à un concert de musique français où voisinaient les noms de Chabrier, Lalo, Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Vincent d'Indy, Debussy, Paul Ducat, Engelbrecht. On a vivement apprécié le soin attentif et délicat, le goût éclairé, intelligent et l'art, pour tout dire, avec lequel, dans une salle appropriée à cet effet, cette nouvelle direction théâtrale prépare et réalise ses spectacles musicaux. La chaste Suzanne est, à l'Apollo, la réapparition sous forme d'opérette d'un vaudeville, le fils à papa, de messieurs Mars et Desvalières, qui fut applaudi il y a quelques années au Palais Royal. La pièce qui vient, ainsi transformée, de faire son tour du monde, n'a rien perdu de sa gaieté un peu libertine mais franche, que décuple l'entrain de la musique fraîche et mélodieuse de M. Jean Gilbert. À la Comédie Royale, revue de M. Robert Dieudonné, c'est fou, qui s'applique à justifier assez plaisamment son titre et qui y réussit souvent. Agrandissement, note du transcripteur, les suppléments mentionnés en titre ne nous ont pas été fournis. Astérisque, 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 end of the project Gutenberg e-book l'illustration, no. 3658,
5 avril 1913 astérisque 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 updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works 1.A by reading or using any part of this Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agrément. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. See paragraph 1.E below. 1.C.
Le projet Gutenberg Literary Archive Foundation, le Fondation RPG LAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work,
You must comply either with the requirements of paragraphs 1.1.1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset for in paragraphs 1.1.8 or 1.1.9. 1.1.3. If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1.1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.1.4. Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. 1.1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol mark commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol mark commercial license as specified in paragraph 1.1.1. 1.1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol mark commercial works unless you comply with paragraph 1.1.8 or 1.1.9. 1.1.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payment should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is / et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à cette force in section 3 below. 1.F1.F.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damages or cannot be read by your equipment. 1.F.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from.
If you receive the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you receive the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial. Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, le Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3.
Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp or small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information à bout Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique Works Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol mark commercial e-books with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg symbol marque commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes informations about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books.